Et salut à tous, c'est Ricolas et bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Dinosaur for Hire. Je ne connais absolument pas le jeu, mais alors absolument pas, c'est la première fois que j'entends parler. Donc tout de suite, bah écoutez, on va découvrir ça ensemble. Hop, on est parti. Alors déjà au niveau de la musique, c'est assez sympa. Donc un player, deux players. Alors un player, Tom Mason, c'est Dinosaur for Hire. Alors on a Archie. Leader of Dinosaur for Hire. This Tyrannosaurus Rex and Buddy's Very Spirit. Donc d'accord, donc en fait c'est le réel esprit du groupe. Donc c'est un Tyrannosaurus Rex. Ensuite on a Lorenzo qui est un Triceratops. Et Lover of Fine Food. D'accord, donc en fait c'est un amoureux des bonnes choses, de la bonne nourriture et belles fringues. Ouais d'accord, donc il porte toujours les trucs hawaïens. Et puis ouais bof, un note bien spécial. Oh putain, Reese. Alors ça c'est le gros balèze de service quoi. Donc c'est un stégosaure quoi. D'accord, donc lui c'est le gros bourrin de base quoi. Bah écoutez, je sais pas pourquoi. Allez, je vais choisir Archie. Yeah. Hell yeah quoi. Bon ben. Petite troupe de trois, là, de trois dinosaures bien sympathiques. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Un lézard géant, quoi. Ils sont à faire, on va lui tirer dessus. Ah, je vois ma truffe. Oula. Je brûle. Oulala. Ah putain, d'accord. J'adore l'animation quand il est couché. Alors, putain, comment je fais? En plus, je suis invincible là, non? J'ai pas de point de vie, j'ai rien quoi. J'adore ce qu'il fait. Quoi? Ah, m'a fait peur. C'est quoi cette histoire? J'ai fini déjà le jeu. Oh, ça Genesis Blast Processing Unite. Bon. Let's get ready. Ok, donc on a tué un énorme monstre. Et voilà, donc le jeu attaque de là. Ok, donc je tire sur quoi là? Des ninjas? Ah, mais alors en fait... Alors c'est pas possible. Alors soit il y a un problème de taille. Alors est-ce que c'est des humains normaux? J'ai l'impression que ouais, mais je suis beaucoup plus gros qu'eux en fait. Parce qu'en fait... Les êtres humains, j'ai l'impression qu'ils font plus petits que leur magasin, quoi. C'est ça qui m'inquiète, quoi. Je suis dans un village de Lilliputiens, quoi. C'est, en fait, je pense qu'ils ont voulu donner une certaine taille aux dinosaures, mais c'est un peu débile, parce que du coup, les humains paraissent trop grands, quoi. Ou alors c'est moi qui ai un problème de vue, je sais pas ce que vous en pensez, sincèrement. Mais, putain, j'ai foutu le feu à une baraque. J'ai pas fait exprès, désolé. Ah, je brûle. Hop. Putain, en tout cas, j'aime beaucoup le jeu, quoi. Alors, je vais me taire 5 secondes juste pour écouter un peu la musique. Eh merde, je suis mort. Bon, pas de checkpoint, c'est pas grave. En tout cas, putain, j'aime beaucoup le personnage, quoi. Je sais pas si il y a quelque chose qui doit changer avec les autres, en fait. Je suis en train de me poser la question si justement l'arme est pas la même, si on tire plus vite ou on fait plus de dégâts. Alors ça c'est quoi? C'est 3 tirs d'affilée. D'accord, ok, on a changé la manière dont ça tire. Okay. En tout cas c'est super maniable quoi, c'est très agréable à jouer quoi, j'aime bien. Le seul truc qui me gêne un peu beaucoup, j'ai envie de dire, c'est le fait que des... Il y a trop d'ennemis quoi, c'est juste abusé. Je me prends des dégâts pour rien en permanence quoi. Franchement c'est vraiment le seul point qui a tendance, on va dire, à me gaver. Sinon le jeu est très sympa. C'est dommage qu'il y a autant d'ennemis que ça. Regardez, en permanence il y en a de tous les côtés quoi. Ça arrive d'en haut, d'en bas. Et le pire dans l'histoire c'est que j'arrive pas à les viser parce que je suis trop gros et trop lourd quoi. Putain, j'ai eu peur que ça soit un boss sur le coup.
Donc la flèche me dit de descendre, je descends. J'aime bien le côté, j'aime bien le côté lunettes et genre veste qu'ils lui ont mis quoi. Très très sympa quoi. Donc je récupère ça. Alors là on est en train de descendre, je ne sais pas où. Ok, je saute. Ah non, t'es sérieux? J'y crois pas. Et comment j'aurais pu m'en douter que c'était un endroit d'aller où sortir les ennemis, putain. Moi je pensais qu'il fallait plonger pour terminer le niveau, quoi. Voilà, il n'y avait pas de boss et puis c'était réglé. Putain, j'ai honte, quoi. En plus, le niveau est vraiment pas long, quoi. C'est... Il faut juste grimper et passer de l'autre côté du mur, en fait. Il n'y a rien de... C'est... Putain, alors, est-ce que je peux le faire de là? Non, je peux pas le faire de là. Je me suis dit, ouais, attends, je suis beaucoup plus... Je suis malin. Je vais m'en sortir comme ça, mais non, pas du tout. Hop. Ah, même les ennemis, quand ils sautent comme ça d'un étage à un autre, ils me font des dégâts, quoi. C'est abusé, quoi. Abusé. J'ai aucune défense, quoi. En plus, putain, ils me tirent dessus, quoi. Je sais même pas si je vais y arriver, là, sincèrement. Putain, c'est n'importe quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que, putain, j'apprécie énormément le jeu, quoi. Alors, hop, on passe de l'autre côté. On va essayer de... Ah putain, je lui ai tiré dessus quoi là. Normalement j'aurais dû le toucher 20 fois. Je sais pas si, putain, je peux pas le récupérer. Faut que je remonte, je vais essayer de récupérer de la vie. Non, voilà, parfait. Au moins comme ça je suis sûr que j'arriverai devant le boss et il y aura pas de souci quoi. Si je passe par là, non. Non, ouais, il veut pas, il est trop gros et trop lourd. Hop, j'ai récupéré un item, je sais pas ce que c'est. Donc cette fois-ci on fait pas la même bêtise. On va attendre. Et j'imagine qu'il faut tirer sur le voilà, sur le machin. Eux ils vont continuer à me gonfler. Hop. C'est à la limite, j'ai envie de dire. Non, je m'en fous pas parce que. Hop. Putain, cassez-vous, cassez-vous. Putain, ça m'énerve. En fait, il faut absolument que je m'occupe. Voilà, que du boss. Et encore là, je suis même pas sûr de survivre. Putain, j'ai eu du cul. J'ai vraiment eu du cul. Je fais quoi là? 1. Eh ben. Oh, comme ça me fout les nerfs! Parce qu'en plus, scénaristiquement, c'est n'importe quoi. Si on me fait descendre, pourquoi me faire crever au début, quoi? Ah, oh, ça m'énerve, ça. Bon, bref, s'en fout. Oh putain, maintenant ils sont en skateboard, quoi. Il est hypuffiant en skateboard. Ça m'énerve, putain, parce que j'arrive pas à... En fait, j'ai l'impression que mon personnage a une taille réellement bah, normale, quoi. C'est pour ça. Bah, je le savais que j'allais me prendre le courant, mais je fais comment? Ah, ben voilà. Au moins, ça s'est fait, c'est dit. D'accord, donc eux aussi, ils peuvent passer d'un plan à un autre. Hop. Putain, c'est la vraie galère, quoi. Parce que quand les ennemis ils sont sur nous, on peut pas les attaquer, on peut absolument rien faire. Donc c'est pas évident du tout. Elle va sauter aussi la voiture, non? Tant qu'à faire. C'est le jeu est vraiment très dur quoi, je trouve. Il est pas évident quoi. Oui, comme je me fais agresser quoi. Qu'est-ce que c'est? Oui, à manger. Ah, quand même. Hop. Non, ben voilà, déjà ce qui est bien c'est que en deux niveaux quoi. Alors je sais pas si c'est le même chapitre ou quoi. Mais voilà, déjà, l'environnement change, les ennemis changent. Voilà, c'est varié. C'est plutôt bien varié, quoi. Et puis voilà, la difficulté, elle y est, quoi. Dino Worlds. C'est plutôt pas mal. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les êtres humains ne supportent pas les dinosaures. Et pourquoi, en tant que dinosaure, je tire sur des humains. Si je tire sur des gros dinosaures, c'est que, bon, j'aide les humains, non? Je sais pas quoi. Alors hop, faire super attention à ça. Et voilà, et je suis mort. À cause d'une voiture. Bon. C'est pas grave. Subway part. Ah. Bon, on va recommencer encore une fois. Je sais pas pourquoi, j'ai envie quand même de m'y intéresser. J'ai envie de voir ce qu'il y a après. Et puis bon, voilà, le jeu est sympa. Alors je sais pas du tout si ça fait partie des reliques de la Genesis de la Mega Drive, quoi. Je serais vraiment curieux de savoir combien coûte le jeu actuellement, s'il est vraiment coté ou si c'est s'il est considéré comme une grosse daube. Quoique maintenant même les grosses daubes elles valent des milliards quoi. Pour ne citer par exemple que E.T. qui va être vendu aux enchères. Bref,
Mais ouais, je serais curieux de savoir combien coûte le jeu. Enfin, juste pour me faire une idée, parce que pour le coup, il m'intéresse. Quoi. Ça peut être très sympa, surtout à deux, je pense. À deux, ça peut tirer dans tous les sens, ça peut être sympa. Par contre, ce que je serais curieux de savoir, si à deux, c'est complémentaire. Si on peut s'apporter une aide mutuelle ou s'il y a quelque chose. Mais bon, ça c'est encore un autre détail. Putain, les voitures me cassent les burnes, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Hop, oh, putain, c'est pas vrai ça. Lol, Sega Rose. Putain, la pub, quoi. Putain, je vais pas y arriver. Voilà, le truc qu'il y a, c'est que quand les ennemis sont carrément sur mon personnage, c'est imbuvable parce que j'arrive à rien, quoi. C'est, mon personnage est trop gros, trop lourd et trop imposant. Et eux, ils sont trop petits. Comment on appelle ça, putain, pas le skin, le pattern, je sais plus. Non, c'est même pas le pattern. Je perds mes mots, quoi. Bref, vous m'avez compris, ça me gêne. Ça me gêne vraiment, quoi, putain. Y en a deux partout, des ennemis, c'est un truc de fou, ça. Je fais quoi? Je vais tout droit? Ouais. Donc, d'accord, ok, il y a une partie B. Et même la partie B, ils se sont démerdés pour la changer. Voilà. C'est même pas on se frappe encore un métro ou quoi. Non, non, c'est... voilà, là, c'est plus typé égout. Voilà, c'est très bien. Un jeu varié comme ça, en l'espace de même pas trois niveaux, ça fait plaisir à voir, quoi. Voilà, quoi. Ça prouve déjà que, bon, voilà, c'est un minimum déjà travaillé, quoi. Musicalement, ça me gêne pas, c'est pas dérangeant, sincèrement. Par contre, ouais, la difficulté, je la trouve quand même assez osée, quoi. Pas fastoche du tout. Bon, je pense que... on va aller encore un petit peu plus loin. Je suis vraiment curieux, putain, c'est dingue, quoi. Autant il y a des jeux, bon, les vidéos durent pas longtemps avec moi, parce que, bon, de temps en temps, je merde, quoi. Je me dis, bon, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que, bon, de toute façon, on a fait le tour. Mais là, le jeu, je le trouve quand même assez intéressant. Alors, putain, j'essaye de tracer quand même malade, parce que de toute manière, putain, alors lui, j'arrive pas à le choper. Mais le jeu, ouais, vraiment très dur. Voilà, en plus les ennemis réapparaissent comme ça d'un coup, c'est pas la joie. Mais ouais, c'est j'aurais bien aimé le trouver sur internet ou quoi, savoir s'il est disponible à voir sur console, puisque j'aime bien quand il y a un peu du challenge comme ça. Ça, voilà, ça corse un peu les choses, quoi. Puis bon, là voilà, la satisfaction à la fin de dire merde, voilà, je l'ai terminé, il était chaud, voilà, ça c'est bon ça. À l'ancienne, en bref. Hop. Ouf, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Ah, oh, putain, mais il y a des tourelles partout, les mecs se sont fait plaisir, quoi. C'est hallucinant, quoi. Hop. Il y a des ennemis partout. C'est dommage parce que on nous donne juste un fusil, mais en fait on a pas de réel moyen de les combattre. Dis-moi tout. Ah, c'est beaucoup mieux là. Comme ça, quand c'est des ennemis qui sont trop proches de moi, quoi, ben voilà, coup de fusil, quoi. Par contre, j'ai pas de pouvoir. Ça m'étonne parce que je vois une boule verte là qui traîne. Ah, voilà, en deux coups déjà, c'est pas pareil, elle crève. Bon, moi aussi, je me prends des coups. Putain, c'est pas possible à passer. Ils sont trop. Il y a trop d'ennemis en même temps, c'est juste hallucinant. C'est fou. J'esquive les tirs en permanence, quoi. Putain, le mec qui fait un haut dégât à ce jeu, quoi, mais. Chapeau parce que. Et voilà. Bon. Ben on va arrêter sur ça. Je vous rappelle le nom du jeu, c'était Dino for Hire. Donc sur Sega Genesis, Mega Drive, en bref. Franchement, très bon jeu, très difficile, mais je pense que si on passe outre la difficulté, qu'on est courageux et téméraire, je pense qu'il y a moyen d'arriver à quelque chose, et je sais pas pourquoi, mais je les sens bien les autres niveaux aussi. Je pense que la difficulté va encore se corser, donc bon, bref, nous on va s'arrêter là pour le moment, et je pense que ça suffira. Sur ce, salut à tous, ciao ciao. Et à la prochaine.